Amen. Je vous demanderai aujourd'hui, tenions Azalana Lito Yakoyoka maintenant pour écouter notre frère. Notre frère. Ce que l'élo, n'de l'élo. Amen. Après, nous allons la surprise, Moussous. Il y a prophétesse. Vraiment, je bénis le Seigneur. Makambo, ils ont salé ma kito. Konzamba, ils ont cassé ma kambo. Prophétesse, à cause là, pour ça, là, il y a surprise. Il y a mon nene. Mais maintenant, là, je voudrais, avec l'honneur que tu peux donner à l'homme de Dieu, est-ce qu'on peut se tenir debout? On peut se tenir un peu debout? Vraiment, c'est le moment maintenant où nous voulons l'écouter parler. Bible lobby, le jour qu'on est allé l'arrêter, quand il a commencé à parler, ces gens-là ont changé le langage, ils ont dit, jamais l'homme n'a parlé comme cet homme. Amen. C'est lui qui est encore assis là. Pourquoi il veut détruire notre ministère? Oya tikali akovanda wana. Ndeko, kote uzawana soko moni mutumoko azaka yakovanda yebisaye ozo bebe selebsom sana. A telema, même s'il a bébé de 100 kilos. Est-ce que c'est Ngwezali yakoyamba, notre frère Mosail Nanzam? Amen. Soulevons notre main droite en l'air. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi à travers ton serviteur. Lobaka kanzambe lobelanga nanzela ya mosali nayo na maloba oya kobimisa par nayo pe kozala sambela na kombo na Yesu. Nous voulons, Seigneur, que tu nous bénisses à travers ton serviteur. Utilise-le puissamment comme il n'a jamais été utilisé. Que le Saint-Esprit soit en place éternelle pour transmettre éternelle la connaissance, pour nous donner la vie là où il y avait la mort. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant écoutez, est-ce qu'on peut recevoir un homme qui convainc d'appeler un homme? Il est merveilleux. Un frère bien. Il a la taille prophétique. Il a la couleur angélique. Il était au ciel avec Abraham, avec Pierre. Il parle bien. Il a le sourire des anges. Lui-même, sa façon de parler est comme il est. Mais il a la profondeur qui appelle la profondeur. Est-ce qu'il y a la joie dans la salle? Nalingi to beta makelele, to beta maboko, to yamba frère Joël, avec la grâce, que l'éternel Dieu soit avec toi. Papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Matondi Mingi. All you extend the Lordship, the Raki Mori, the Master, Kau, the Lord, the Baron, Silent, the Shetai, the Lahigam, the Baxter, the Lord, the Man. Hey! Show with the Lord, the Plowak, and the Lost, the Flow with the Lord. Leaks down with the Lordship, with the Kata, with the Lord, the Mokel, with the Mold, the Mawi. Show with the Lord, the Pastor, Kali, the West House. Leaks down with the Lordship, the Gun, the West, the Lord, the Mori, the Max. Shed the Lord, the Mokel, the Exodus. Hallelujah, 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 hallelujah. Merci Père. Oh, chérie de God. Bien-aimé dans le Seigneur. Baninga mi kati na kolo. Je suis très content ce soir. Parce que ces rendez-vous n'est ni dans les plans d'un humain, n'est ni dans les plans d'un humain, ni dans les plans de l'apôtre.
Mais c'était dans le plan de Dieu. Et puis l'éternité, il avait prévu qu'un jour pareil existait. Oui, c'est réellement. C'est lui l'auteur de cette œuvre. Aujourd'hui, je serai une bénédiction pour toi. Que tout celui qui est amené reçoive son miracle. Que ceux qui ne marchaient pas dans ta vie prennent une nouvelle démarche. Si je suis venu pour amener une nouvelle dimension, cette nouvelle dimension commence par ta vie. Toi qui me fais confiance ce soir, par la grâce du Très-Haut et l'onction de tous les hommes de Dieu ici présents, quel que soit ce que le monde avait décidé, quel que soit ce que la nature avait décidé, aujourd'hui, pas demain, ce soir même, je déclare une nouvelle vie. Je déclare une nouvelle identité pour toi. Au nom de Nakomoya. Merci beaucoup. Merci. Je m'en vais d'abord bénir l'Éternel Dieu des armées pour cette grâce qu'il nous fait ce soir de me présenter devant vous et parler de sa part. En deuxième position, je remercie l'apôtre Donatien Mwela Musungula. Je l'ai toujours appelé mon père double brassard. Il est père biologique et père spirituel. Donc, dans tous les deux fonctions, il les a bien assumés. C'est pour cela aujourd'hui j'ai l'occasion d'être une bénédiction. En deuxième position, en troisième position, je bénis la présence de tous les hommes de Dieu. Présence. Votre présence nous fait beaucoup bien. Si je veux parler avec ce soir, parce que vous êtes là, alors je vous demanderai de m'accorder votre onction et je prêche avec. Merci beaucoup. Mais passons à la lecture de les Écritures. Genèse chapitre 1, le premier verset jusqu'au troisième verset. Et puis nous prenons Exode chapitre 12. Premier verset jusqu'au quatrième verset. Aussi. Yes. Nous lisons le livre de Genèse chapitre 12. S'il vous plaît, ceux qui sont assis, vous pouvez vous mettre debout. On respecte la lecture de la parole. Nous lisons comme cela dans le nom du Seigneur Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière le jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Exode chapitre 12, premier verset. Jusqu'au quatrième aussi. On peut se mettre, s'il vous plaît. Genèse chapitre 12, Exode chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de moi. Il sera pour vous le premier de moi et de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. C'est le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle d'âge d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau.
Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair ou rôti au feu. On la mangera avec du pain sans levain et des herbes amères. Bon, vous pouvez vous arrêter là. Avant toute chose, j'aimerais honorer un homme de Dieu. On reconnaît un homme de Dieu quand il prophétise et la chose s'accomplit. Cet homme de Dieu, j'étais à la montagne pour 3 jours de prière avec mon petit foyer. Le jour où je devrais descendre, nous sommes en train d'apprêter l'histoire. Et lui, il montait. Parle pas Chiluba. Mais je l'ai vu venir vers moi. Il m'a dit, dès que tu descends là, tu vas commencer à prêcher. Avant que tu reviennes encore à la montagne, pour prier, tu seras consacré. Sur place, et moi et ma femme, nous avons commencé à rigoler. On dit, ah, vous avez menti. Pour moi, nous sommes tous ngomba, surtout na bana boy. Ngai makamba kote na sakunete. Et le jeudi, mokolamine ya poso. Je suis allé au ministère des Affaires étrangères. Ministère des Affaires étrangères. Je le vois en train de venir. Papa, tata, c'est vous qui avez prophétisé que je vais prêcher. Et tout là, je ne suis plus rentré à la montagne. Et il nous a honoré de sa présence. Révérend Emmanuel. Révérend Emmanuel. En tout cas, il ne connaît pas. Merci papa. Yobita kaka maboko bakisa mulolo. Je vais parler maintenant de la part de Dieu. Nako basikuna we zwami nzambe. Au commencement, ne ebaneli. Dieu créa les cieux et la terre. Nzambe akela lola pe mokili. La terre, mokili, était informe et vide. Ezala kapamba pe libu. Le point. Matoma mibale. Pour ceux qui lisent Louis II. Pour le moment qu'on a Louis II. En français, quand on donne une phrase, na lopoto tango bako koma molo. On met 2 points. Pe bate matoma mibale. C'est-à-dire que la phrase qui suit explique le pourquoi. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur toute la terre. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Je vous fais comprendre. Tout ce que Dieu crée est parfait. Il n'y a rien d'à peu près. Si Dieu a créé les cieux et tout son royaume, c'est-à-dire dans la terre, il y avait déjà tout. Ces jours-là, Dieu fait un constant. Il trouve que sur la terre, il y a les ténèbres qui règnent. Il y a les ténèbres qui règnent. Quand je lis ce passage, Beta maboko, bakisa mololo, maboko na yo. Quand je lis ce passage, je me disais, que la lumière Paul était le soleil. Mais non, le soleil Moïse et la lune intervient au 4e jour. C'est-à-dire, du premier jour, il y avait une lumière. Une lumière sans nom. Paul Apocalypse 21. Apocalypse 22, 21. Verset 23. Molongo y a 23. Il dit que cette terre-là aura besoin d'une lumière qui n'est pas le soleil ni la lune pour l'éclairer. Ça sera la gloire de Dieu qui va les éclairer. Et l'agneau qui sera le flambeau. C'est-à-dire la lumière du premier jour
C'était l'agneau qui a été immolé. Avant le commencement. Cette lumière. Pour elle a marché. Et elle n'avait pas d'identité. Jusqu'au deuxième jour. Non. On me dit de ne pas parler du deuxième jour. Zambé décide de se choisir un homme. Azui mokalo ya komi pone la moto. Pour se faire une nation. Pour na komi sale l'école sur la terre. Na tsa mokili. Le premier homme, moto aliboso, c'est Adam. Eza Adam, je comprends. Na soso. Adam est créé le 10e jour. Adam akela maka mokola so. Le 7e jour. Pi mokola sa. Tu entres dans le repos. Zamba koti na bopemi. Adam, Adam pour lui, pour na ye, le premier jour, mokola aliboso. C'est le repos. Et ça l'a qu'on permis. Pour Dieu, pour nos amis, le septième jour, mon colo c'est son repos. Et ça est permis. Qui est réveillé au sixième jour? Son premier jour, mon colonel Ibo, c'est le repos. Et ça l'a qui vous avez dit quoi? Dès que vous êtes là, dès que vous soignez, parce que vous avez cru, prêtez bon dîme là. En ce qui a décidé, de faire de vous à son image, il y a comme ça la Bible et une nation de sacrificateurs. Et colo, vous êtes entré dans le repos. Bon, continue mon permis. Dès le premier jour, où t'as mon colaliboso? Les ténèbres étaient en train de régner sur la terre. Mon lit est banni qu'aux alicolons, ma vie. Ça n'engage que moi. Mon état ici kangai. C'est-à-dire, il n'y a qu'au loba. Il y avait des hommes sur la terre. Et Zalaki n'a pas tenu colon à mon. Oui, il y a solo. Si vous avez le temps, on va partager sur ça. Ce qui vous allez n'attendre ton compagnon. Ce n'est pas mon message. Et Zali sangonabi sauté. Dieu décide d'instaurer la lumière. Zambé a dit mon cano la mouesse. Pour que l'homme vive selon la lumière. Je comprends que la lumière du premier jour était le premier mouvement de la rédemption. Le premier mouvement de la rédemption. Sauver l'homme. Le deuxième. Non plus. Le troisième. Non plus. Le quatrième. Non plus. Jusqu'au sixième jour. Au sixième jour, Dieu décide de créer les animaux avant les hommes. Quand je lis le chapitre 2, les animaux ont été présentés à Adam pour leur donner des noms. C'est-à-dire, les animaux du sixième jour étaient les animaux qui étaient présentés à Dieu pour essayer la rédemption de l'homme. Ces animaux-là n'ont pas réussi. C'est pour cela que le véritable dit. Il dit que tu n'as voulu offrande ni sacrifice. Et tu m'as formé un corps. Ouah. Mais ayez votre apaisement, c'est Joël Mouela. Et le sixième jour, Dieu décide de faire les animaux. Les animaux n'ont pas sauvé. Il décide de faire l'homme à son image. Je vais vous dire une chose. Il y a deux types de relations entre l'homme et Dieu. La première, c'est d'une créateur avec son créature. La deuxième dimension, entre père et fils. Entre tata et moi. La première dimension, l'homme était la créature de Dieu. Mais l'homme ne pouvait pas siéger avec Dieu. Mais dans la deuxième dimension, l'homme devient l'image de Dieu. Comment l'homme devient l'image de Dieu? À la croix. La Bible dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Mais au sixième jour, nous faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Oh, la dimension physique de l'homme, c'est la chair. Mais la dimension spirituelle, c'est Dieu qui l'a déterminé. C'est pour cela Christ qui emprunte le corps de Marie.
Dieu Zambé, qui emprunte le corps de Marie pour injecter la divinité. Pour la cocotte à bon Zambé. Ils sont Jésus. Abimisi Yesu. 100% homme. 100% Dieu. 100% homme. 100% Dieu. Mais quand je le vois, il ne voit pas un homme. Il voit l'agneau. Pourquoi l'agneau? C'est l'agneau qui devait venir faire donner le sacrifice. Pour acheter l'homme. Quand il fait sa mission, il prend une autre dimension. Il devient le lion de la tribu de Jésus. C'est-à-dire, c'est que tu me vois physiquement, c'est pas ce que je représente. C'est que je suis, c'est ce qui est spirituel. Cette femme cananéenne, quand je suis la voix, elle dit je ne peux pas prendre la nourriture des enfants et donner au chef. C'est-à-dire, spirituellement, cette femme marchait à deux pas. Mais spirituellement, elle était une chienne. C'est soir d'aujourd'hui. Je ne sais pas quelle identité on t'a donnée. Je ne sais pas quelle identité spirituelle tu as. Mais celui que je te présente, il a décidé de te créer à son image. Si tu acceptes ce que je dis, l'identité de ta famille, l'identité de tes ancêtres ne représenteront plus rien. Parce que le véritable t'a créé à son image. Quelle image? À la croix, Nekoulous. Vous savez, voyez dit, je ne peux pas continuer sans parler de la nuit. Na kosanga tena kokoba na kosanga kolobela weza bu. Les ténèbres, molili, et la nuit, pebutu, c'est deux choses différentes. Eza biloko mibale kesi. Mais les ténèbres, kasi molili, c'est le temps, eza li temps où la nuit règne. Oyo butu ezo ko. Quand je suis en train de parler, Jacob me souffle à l'oreille. Jacob alobelinga na listo. Joël ne passe pas sans parler de moi. Joël kolekate na kosanga kolobela. Moi Jacob, ngai Jacob, j'ai décidé de travailler 7 ans. Na so moka na kosala mosala mi pour Rachel. Pour la racine, ma bien-aimée, mon inga mina nga. Arrivé au jour de prendre ma femme, na koko manesika koza moi si na ma. On me donne Léa, ma pesinga Léa. C'était pendant la nuit. Les alaki na katia buto. Ce n'est pas fini. Yangwe sili. Joseph, Joseph fait un songe. A salindo dit à son père, alobi na tata. J'ai vu le soleil, na moni mwesi. La lune, na moni sasa. Et les étoiles, peminzoto. Après de m'adorer, atoku ma melanga. Joseph est un fils. Joseph a zalaki moi. Mais Joël quand il parle, kasi Joël tangwa koloba. Il dit je répandrai mon esprit. C'est-à-dire la nuit, dans le règne de la femme. Mais ces jours-là, Jacob va voir son beau-père. Monsieur, j'ai travaillé 7 ans. Papa n'a sali misala mi pour ma femme, Rachel. Le papa lui dit, tata lobina ye, il n'est pas coutume ici. Yango et sale matena la petite soeur. Yakope salé qui a moi la grande. Yambo yankulu tout Jacob. Jacob, fils d'Isaac. Mwana Isaka. Ayant toutes les promesses de Dieu en lui. Azalaka la bilakanza même la mise. Isaac, fils d'Abraham. Isaac à moi naïbra. Abraham ami de Dieu. Abraham moninga en sa. Jacob se retrouve. Jacob ami côté. Confronté à la coutume de là-bas. Ami Pessina. Elle lui impose. A salsé la matasse. Moi yo ya linga. Cette femme lui fait des enfants. Moi si Azobo Teleban. Cette femme lui impose même ses bonnes. Moi si Azobo Satina Makasa Tabana. Jacob se retrouve avec 12 tribus. Jacob ami côté na bicolo. Imposé par la coutume de là-bas. Je ne sais pas quelle coutume on t'a imposé. Je ne sais pas quelle loi on t'a imposé. Mais l'homme que je te présente ce soir, il va arrêter tout. À côté de lui, comment? Boni. Comment? Boni. Jacob passe la nuit quelque part. Il décide de prendre sa tête, mettre sur la pierre. Il fait un songe. Le ciel ouvert. Les anges du ciel. En train de monter et descendre sur les chiens. Jacob se réveille. Sans avoir compris la vision. Il va encore faire mon imam. Il va faire mon imam. Akeko sala. Il n'avait pas compris la vision. Il a sosola kindoto ya la vision que je
expliquer ce jour. Jusqu'à ce que le véritable arrive. Il voit Nathanaël. Il lui dit, voilà un Israélite. Sans fraude. Nathanaël lui demande, comment tu me connais? Non. Ne crois pas seulement parce que je t'ai dit ça. Désormais, vous verrez les ciels ouverts. Les anges du ciel monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est-à-dire les ciels qui avaient vu dans Jacob et l'homme de Jésus. Et ce jour-là, quand Jacob a vu les ciels et qu'il a fait un monument, la vie de Jacob a changé. Il n'était plus appelé Jacob, il devient Israël. Aujourd'hui, en entrant ici, tu avais le nom de ta famille. Mais ce soir, je t'éjecte une identité. C'est la pensée divine. C'est la pensée de celui qui a dit, je t'ai créé à ton image. Prends l'image de Christ dans ta vie. Joseph décide de donner son songe à son père. Yakope sandoto na tatanaye. Merci papa. Joseph décide de donner le songe à son père afin que son père interprète. Oui, j'ai vu les 12, les 11 qui étaient ses frères. Ils ont adoré Joseph. Et je n'ai pas vu quelque part où le soleil et la lune ont adoré Joseph. C'est-à-dire, Joseph était le type du véritable. Joseph ayant toutes les promesses d'Isaac. Parce que Isaac, en prononçant les paroles sur Jacob, ces paroles ne lui étaient pas destinées. Les paroles sont tombées sur Joseph. Il dit à Jacob, je t'établis chef des enfants de ton père et chef des enfants de ta mère. Oh Jacob, n'avait pas de foi du côté de son père et de sa mère. C'est lui qui avait le foi du côté du père et de la mère. Ce n'est que Joseph. C'est pour cela le monde spirituel ayant vu cela a condamné Rachel à ne pas voir Benjamin. Ce jour-là, dès que Benjamin est sorti, la maman dit le fils de ma douleur. Maman lobi moana ya pasi nangai. La prophétie de la croix. Et sakolia ikulus. Et Jacob dit. Pe Jacob alobi. Il ne va pas seulement finir à la douleur. Ye asalika kamwa la mobali. Il sera à droite. Ye akosa la mobali. Oh la droite. Jokane lobo kwa mobali. C'est l'œuvre de la croix. Et zali mosale ikulus. Ce soir. Pourquoi les longs? Je vais vous présenter. Nakota Sabino. Ce soir. Pourquoi les longs? Je vais vous présenter. Nakota Sabino. Pourquoi? La vision de Joseph n'a pas abouti. Parce que Joseph n'était pas le véritable. Joseph a ramené ses frères dans la prison. Joseph, c'est lui la cause de l'esclavage d'Israël. C'est lui que je te présente. Mais aujourd'hui, il est venu lui-même s'étonner pour nous racheter. Pour la consommation dans les péchés. Nous sommes condamnés depuis le jardin. C'est pour cela, quand il arrive à la croix, je vais vous dire une chose. À la croix, Christ s'est fait pécher. Christ a mis comme ça les soumous. Mais la croix n'était pas le péché. Oui. À la croix, Christ s'est fait pécher. Christ a mis ça les soumous. Mais la croix n'était pas le péché. La croix était une clé. Esaïe dit, je mettrai la clé de David sur son épaule. Dès qu'il ouvrira, personne ne pourra fermer. Et dès qu'il fermera, personne ne peut l'ouvrir. C'est pour cela, avec la croix, il est en train de marcher. Il porte de peine. Quelqu'un essaie de le soutenir. Il est touché à la croix. Christ a supporté. A même mis pas à Congo, a même mis à États-Unis, a même mis à Ukraine.
L'homme de Dieu. Amen. Zoka. C'est un spectacle. Le diable croyait qu'il est en train d'humilier Christ. Pourtant, il était livré en spectacle. Pour qu'on voie sa vraie nudité. Pour la commande à Bolumbo. Sa vraie nudité. Pour la commande à Oezali Bolumbo. Arrivé à la croix. N'a comme un écolo. Christ écrit. Christ soit bel et lit. Père. Tata. Tout est accompli. C'est-à-dire, tout est fixé. Non, c'est bon, Sami. Wapi. Le mouvement du sixième jour. Mosala ya mokolo ya motoba. Et ce jour-là, Pemokolo ango. Le soleil, Mwese. Et la lune, Pesanza. Se plie. Et cou mama pour adorer le véritable. Pour la coucou même la vision de Joseph. Oh mon Dieu, Joseph est accompli. Et coqui Sami. Ce soir, pourquoi les lots? Je te présente un homme. Nazotal Somoto. C'est lui qui est capable de changer ta destinée. Oh Yazali ma coquille. C'est lui qui est capable de changer ta vie. C'est lui qui est capable de changer ta situation. Quel que soit ce qu'on t'avait condamné. Quel que soit ce qu'on t'avait dit. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je suis en train de décider. Nazana Kata. Fini le faux mandat. Au nom de Jésus. Beta maboko, beta maboko. Gloire au Seigneur. Du calme maintenant, Makambo Ebandi. Est-ce que Nazotuna Mutuna a confirmé toi, a confirmé te. Acclamons très fort le Seigneur. Voilà, le moment est venu. Le moment est venu. Nous voulons maintenant passer à autre chose. Voilà. Nous voulons. Est-ce que ça ne mérite pas que tu fasses quelque chose? Joël, tu mérites au liata quelque chose na maboko nanga. Est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose? J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Pendant le temps que je vais inviter les hommes de Dieu de se déplacer un peu, ceux qui sont au service, déplacez-vous un peu. Mamie, je t'invite encore pour la deuxième fois. Emballez-nous. Emballez-nous. Maintenant, regardez ici. Nazolinga panier ali bosor. Zoignon soza nango pour nako confirmer que Joël a confirmé. Est-ce qu'il y a la joie dans la salle? S'il y a la joie, les musiciens de mamie passez s'il vous plaît. Les musiciens sont où? Les musiciens s'il vous plaît passez devant. Maintenant, commencez à passer directement. Le panier est là. Nous pouvons confirmer maintenant cela en donnant quelque chose. Commence à monter rapidement. Gloire au Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Prophétesse, que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Soyez bénis, soyez bénis. Est-ce que tu ne peux pas... Pourquoi tu ne montres pas l'amour? Talisa Bolingoana. Yaka na Bolingoana, s'il vous plaît. Yaka, 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 s'il vous plaît. Venez faire quelque chose pour la gloire du Seigneur. Venez faire quelque chose. Les musiciens, s'il vous plaît, montez. Montez rapidement. Nous allons passer à autre chose maintenant. Les musiciens, montez, s'il vous plaît. Merci, Yaya. Que Dieu vous bénisse. Non, mon abba, frère, vous jetez. S'il vous plaît, yaka, osala acte, moko, yako, confirmé que Joël nous a confirmé que Azon mérité et loko baligi basala sikoy. Tu n'as pas encore assisté à la cérémonie à Boye. Maman Yango Yayoko assisté à Elokoye. Voilà, mamie, vous avez le micro. Amen, amen. Zambi Wamdu, Luanga Tabutum. Avant, amen, Makuhita, Mujimba Djani. Je dis merci à notre papa. Mon papa, merci beaucoup. Uji mukati mwa jukumbaja milai vanzami mwa mlechi di mwe tika cha bujikato ni mvonje beje ni bienze ka mushindu kai Yehovu mwa mbele tidi mwe kachenji jikato njimwa na mtu kuesha lupa
Peut-être Joël vous mumbi qui là, habi vous m'ouvre pour le coup soutenir. Tu vois le bon exemple bien que vous la ranimez songe. Amen. Zambé na lola a résonné que le coup mort. Joël a tendu la kingaï invitation. Kumbani kumbaya samadi wembo wanye Mushila wa mchibata Baba ndama jata mtu
Considération, l'imiemia oyo, en nous associant yakome mabiso à ce service na mosala oyo qui est sacré oyezali ya bonganga nzambe. Et je bénis richement le Seigneur Dieu pour ça. Na pamboli kolon nzambe po na mosala oyo. Merci à toute l'assistance. Matondi na bokobi nyonso. Je vois ici présent beaucoup de serviteurs de Dieu. Na moni awa basala nzambe bele. La grâce du Seigneur soit avec l'esprit de tout un chacun de vous. Ngolo na nzambe ezala likolo ya moko na moko kati na bino. Je dis aussi particulièrement merci à Joël. Na bongai na pesi pe matondi na ndeko Joël qui m'a choisi. Oya poni ngai et qui m'a pris Azwingai comme son parrain dans le ministère. Lokola momemani ya tata na lotomo na ye. C'est une grâce. Yali ngolu. Un privilège. Lipaku. Surtout pendant ce temps. Mingi mingi pona tango oyo. Vous avez tous vu la grâce qui repose sur lui. Bomoni banso ngolu ezali likolo na ye. Et par le Saint-Esprit, il a décidé que moi, je sois son mentor. Que je sois son parrain. Na molimo mosantu ye andimi kai nazala ye zipolina ye pe tata na ye na molimo. Laissez-moi lire moi-même sans interprète les mots de circonstance. Révérend pasteur, apôtre, prophète, évangéliste et docteur, honorable députés et sénateurs empêchés, distingués invités, chers frères et sœurs, en vos titres respectifs. Ce jour du 1er mai 2022 marque un tournant décisif et significatif dans l'histoire de l'Église des témoins de Jésus-Christ en action, en sigle, et TJCA, et de tout le corps de Christ dans tout son ensemble. En effet, après un service marathon de 30 jours et d'édification et des enseignements ont été donnés par les puissants hommes de Dieu et ont reçu la grâce d'apporter la parole dans le but du ministère dans notre pays. Je cite apôtre Mika Moussampa, s'il est là, il se tient debout. Merci, apôtre. Pasteur Mike Flor Moulumba qui est empêché. Pasteur Moïse Chifouani, il est là, il se tient pour empêché. Pasteur Dolushima, il est aussi empêché. Et le docteur Moïse Djiboko qui est aussi empêché. Djiboko, voilà, merci. Qui sont empêchés. À qui nous disons merci. À ce que nous nous sentons dans le devoir de leur dire merci. Merci pour votre disponibilité à servir Christ et pour tous les sacrifices consentis dans ce moment difficile afin de mettre au service du peuple de Dieu réuni ici pendant tous ces jours, les grâces et les dons
reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ, encore une fois de plus, nous vous disons merci. La cérémonie de ce jour revêt un caractère particulier et hautement significatif. Parce que nous sommes ici assemblés à l'occasion de la reconnaissance et de l'établissement dans le ministère des docteurs de notre frère Joël Mouéla et de la consécration de notre sœur Mati Mouéla en tant que servante du Seigneur. Alors j'étais en train de dire que la cérémonie de ce jour revêt un caractère particulier et qu'elle marque d'un côté la fin d'une observation spiritualo-évangélique du serviteur de Dieu Joël Mouéla et de la sœur Mati Mouéla, et de l'autre côté le début de l'exercice reconnu du ministère des docteurs pour Joël et la reconnaissance publique de Mati Mouéla en tant que servante du Seigneur. Envoyé et mandaté ainsi dans les champs de Dieu. Alors, en vertu de ce qui précède, est loin de nous l'idée d'engager une polémique infructueuse sur l'utilisation ou non de l'huile pour la consécration. Nous avons estimé bon de nous fier et nous confier à la direction du Saint-Esprit par l'imposition des mains, comme tous ceux-là qui nous ont précédés dans la foi et dans le ministère l'ont observé. Joël, tu reçois ce jour un témoignage et une confirmation publique devant les anges élus et devant le peuple de Dieu réuni ici, devant la famille, devant les amis et les connaissances, de ce que Dieu avait déposé en toi bien avant la fondation du monde et qui maintenant a été manifesté publiquement pour l'édification du corps de Christ. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Joël, la moisson est là. Et comme l'Éternel l'avait dit à Gédéon Jérubal, que va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi l'Éternel Dieu qui t'envoie? Moi, que tu as choisi comme ton mentor et comme ton parrain, je te dis, va avec la puissance d'en haut et la force de docteur en tant que peu, plein de vigueur dans le champ et rapporte un grand nombre de revenus. À toi, Mati, Mathilde Moué, la grâce qui repose sur toi nécessite en ce jour une reconnaissance spéciale et la bénédiction du Père afin que tu avances de progrès en progrès et de gloire en gloire dans la grâce de Dieu en tant que servante du Seigneur. Révérend apôtre, prophète, évangéliste, pasteur,
rédacteurs ici réunis, distingués invités, chers frères et sœurs, nous vous recommandons en ce jour, ces serviteurs de l'Éternel, recevez-les, recevez-les, recevez-les en tant que tels, et cela d'une manière digne de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec l'esprit de tout un chacun de vous. J'ai dit et je vous remercie. J'invite l'apôtre, avant que l'apôtre ne monte, le pasteur Tchichi est là et nous donne la suite de nos programmes. La grâce du Seigneur soit avec l'esprit de tout un chacun de vous. Je vous remercie. Amen, amen. Nous continuons avec la cérémonie. Attire attention à Mutumoko, surtout au bas en tendance à cause à la macamulette bagé dans le moment de tuer. Je vous demande d'être beaucoup plus concentré parce que toujours ça la théâtre de. Je venais de le dire ici, je le répète. Amen, amen. Ici présent, après avoir koyoka la décision prise à Conseil des ministres, et j'aimerais le souligner que la cérémonie d'aujourd'hui, c'est une conséquence d'un long parcours d'observation. Et ce n'est pas par rapport à la prestation d'aujourd'hui que cette décision est prise, mais plutôt une observation d'un long parcours pour qu'enfin puissions témoigner qu'il mérite d'être ça. Parce que l'Église, vous êtes d'accord avec moi. Si vous êtes là, acclamez le nom de Jésus. Sur ce, nous demandons aux ministres ici présents et qu'ils le savent que Bazaba témoin de cet événement. A tant participé, à tous les figurants, il y avait un événement. Dès lors que vous avez accepté de répondre, ça va nous suivre partout. Donc nous devons nous assumer. Alors, à Kalisi, na Oyobatangi, nous voulons passer à l'acte, parce que tout a été dit. Vous voyez déjà ce que nous voulons faire, et ça doit se matérialiser maintenant. Alors, il y a les ministres qui sont appelés à ces services. Alors nous demanderons à ma ministre ou à Bazali associés dans le service, ils vont se tenir debout. Mais la cérémonie ou les positions ou la bénédiction doit être faite par le Père spirituel. Ça doit être précisé. C'est le Père spirituel qui confirme qu'effectivement, il mérite. Parce que tous, nous allons partir. Parfois, nous avons accepté. C'est parce qu'il nous a dit que c'est vrai, venez. C'est pourquoi nous sommes là. Alors, pour ne pas lui laisser la charge, nous sommes témoins. Nous voyons comment il pose les actes. Mais il ne sera pas piégé, car le Seigneur est avec lui. Sur ce, je voudrais demander au révérend de nous apporter l'endroit où nos bien-aimés doivent se poser, parce que nous voulons passer à l'acte. Et ça doit se passer rapidement, s'il vous plaît. Et je demande à nos amis musiciens. De nous aider. Na sepeli ko salel. Na sepeli ko salela. Yo mo bi isi. Na esengo na mi pe si mo bi. Chantons ensemble. Kolo Yesu Kamata. Motema langa. Ezayoyoye.
J'invite le Père de se tenir debout. J'invite le ministre appelé à ses services d'être debout. Et j'invite Alors, je voudrais inviter notre bien-aimé Joël. Je voulais inviter notre bien-aimé Joël de se tenir debout. De venir devant l'assemblée, venez, venez, venez mon frère. Dandeko, Moussala Obazo confirmé na Katia Ndeko, il faut qu'elle accepte Nabatou Moroboui. Ce sont ces gens-là que nous voulons inviter. Sans plus tarder, nous courons derrière l'air. Ce monsieur s'était marié, il est marié. Nous voulons inviter sa femme, si sa femme est dans la salle. Sa femme est dans la salle. Sandeko, à la femme, on ne pose pas la question. Mais parce que ça ne vient pas d'elle. Il s'agit d'un ministère qui ne vient pas d'elle. C'est à elle de constater qu'il y a un ministère qui est arrivé. On ne pose pas la question si elle est d'accord ou pas. Mais nous voulons seulement dire que maman, vous allez constater avec nous ce que nous allons tous découvrir ici. Et vous êtes obligés de l'assumer. Devant l'église, devant les parents qui sont dans la salle, nous ne vous disons pas que vous puissiez apprécier, mais vous devez subir parce que c'est la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous invitons, vous pouvez regagner maman, nous invitons les parents de Joël, présentés par maman. Parce que, oui, les parents de Joël. Là, nous appelons maman, maman apôtre arrive. Pourquoi Yamaye, s'il vous plaît. Maman est à l'église. À la maman, nous disons la même chose. Parce que maman, toi, c'est les involontaires, maman, t'es. Ce que c'est qui souhaite naïe, je pèse bien mes mots. Et quand c'est la souhait naïe, mais pas sa volonté. Maman tozo ça là, et ça la volonté ensemble. Maman tozo tout na vie naïoté. Nous vous demandons de constater ensemble avec l'église que vous n'avez plus Joël. Vous n'aurez plus Joël d'hier. Vous aurez un Joël d'aujourd'hui, transformé à un autre nom. Tozo senga yo, pardon. Joël et Kibona Mono. Pour les autres, ce combat, c'est à la boca, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous passons à la deuxième nominée, la mission. Nous appelons Maman Mathilde. Maman Mathilde peut passer. Maman Mathilde, d'accord. San alléluia. San alléluia. San alléluia. San alléluia. San alléluia. San alléluia. Merci, 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 merci. Comme Joël, merci, mes bien-aimés musiciens. Est-ce qu'ils sont avec nous? Est-ce que ma musique, vous êtes avec nous? Nous avons travaillé, Nabil, on travaille ensemble.
Pour le moment, arrêtez la musique. Merci. Comme M. Joël, Mme Mati a sa mariée, alors nous voulons inviter son mari. Il est dans la salle. Merci beaucoup. Papa Yannick, nous voulons être contents dans nos paroles. Pour n'avoir été piégé du saut. En principe, pour exercer service, surtout quand on est marié, on doit parler le même langage, en principe. Mais nous ne pouvons pas donner la parole à Papa Yannick ici. C'est parce que nous constatons que dès lors qu'il a accepté, il y a que événement OSA les Malélo. Là, il est payé. Nous comprenons par défaut qu'il est d'accord avec ça. C'est par défaut que nous comprenons. Jésus. En prophète s'attendait, nous allons vous appeler, nous allons vous inviter. Nous allons vous inviter, prenez place, madame. Alors, Tolobi Boye. En principe, papa, il faut ça là d'accord. Alors, tu as compris ces paroles de pourquoi tu as constaté que par défaut, le col endémique y a ao. Et quand il dit que moi, chocolat, ta toge, c'est qu'il est déjà d'accord. C'est pourquoi nous vous demandons, papa Yannick, Mtseka, de pouvoir constater votre chérie, que vous aimez beaucoup. Le Seigneur l'a mis dans une autre voie, par la voie que vous avez connue, parce qu'elle sera dans cette voie celle. Vous n'allez que l'accompagner, la vision sera en elle, parce que c'est Dieu qui l'a donnée. Veuillez constater avec nous et subissez cela, c'est pour votre bonheur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous demandons à madame Mathilde. Ah oui, maman, ok, très bien. Nous demandons à la maman, très bien, de Mathilde. Wow, nous sommes rappelés famille à Mathilde. Nous sommes une famille à Mathilde. Maman Yakat, maman à Mathilde. Na kolobate que le sina ebisakio. On a ebisakio Esaïe à Joël. Amen, amen. Et c'est le cas qu'à coïncidence que aux amas deux fois. Et cela ne nous empêche de vous dire ce qu'on a dit pour les autres. Ça, c'est sur les plans protocolaires. Tolomi Boy, hier vous aviez Mathilde, moi nanayo, il a plu au Seigneur. Yakome maye na voan. Oyo yebi. Alors tous autres tout nayo invité, parce qu'on débit et qu'on matine à niveau oy. Nous vous prions seulement de subir et de constater ensemble avec l'Église ce que Dieu a fait et que le Seigneur vous bénisse. Alors, on regagne Maman Okosanga, là nous le tenons, Papa Joël, et nous donnons la parole au Père. Ça va? Tchouko. Tokomitango Malam. Awa Isaïe Sengo Yabiso. Parce que moko abakisami kati na biso pona kweponi biso na kati ya musala oyo. Amen. Amen. Mais puki obanda musala te na yekata témoignage moko na babie na ye. Mutu moko akolo bata 2 minutes seulement. Yanga na bengi docteur José Moya. Parce que dans les bandes, les temps à Bandaka, c'était beaucoup plus dans les parties. En Bandaka, il y a eu Penza, dans ma théâtre. Mais,
destin de Dieu, on a mené mouta jugé et moussala ou et mon anakatinaï. C'est pourquoi bisolo ko la baou babanda kaliboso de le bifoto yanan toyoka parce que ministère et zaralan yo mitukate ou bien ma pangoute le ministère photo yo kanan makamboko loba. Oui, c'est le ministère. Mais, parce que ça, c'est moi, c'est ma première fois à Koyoka. J'ai compris que le Seigneur lui a fait grâce. Quand on a salué grâce, on a parcours, parce que Joël n'a pas dit que nous avons dit que nous mais j'ai compris que vraiment, il a la grâce de Dieu en lui. Et comme il a la grâce de Dieu en lui, vraiment, pas na lingaka ka plus na grâce aux Nzamba salier, parce que tu évites ngoma kambunini aux Nzamba ko kosal. Deuxième chose, on a pas peine mon cousin pour na kosil ça, est-ce que ETJCA azul sous mutu musus, ce qui na kati langao. Ngombe zalaki misato tope mi bale ngombe musasani abakisana ta ngombe zo bakisama c'est que musala pezo zo sous forme musus ke nenge zalaki na nenga liboso yango tika zamba zo loku na sukishiwa boko to beti boko revera ya kolo baba ata de minute. Amen. Amen, amen. Je bénis Dieu. Il reste Dieu. C'est que c'est pratiquement simple. Quand Dieu m'a bloqué à la montagne, on s'est croisés. Ça fait maintenant 6 ans maintenant. Dieu m'a même bloqué à la montagne pendant 10 ans. Et le jour que je l'ai vu, je lui ai parlé, c'est que Dieu. Et j'avais oublié. Amen, amen. Ce que je vois dans cette église, que les gens ne jouent pas avec Dieu. Il y a ce qu'on dit, la main de Dieu est ici. Je ne viens pas pour parce que l'homme de Dieu m'a appelé. Non. Je veux parce que Dieu m'a dit, vas-y. Et j'ai reporté mon voyage. Normalement, je vais voyager pour le samedi pour faire une mission en Europe, puis je rentre. Comme je travaille aux affaires étrangères. Mais quand il m'a vu, et Dieu m'a dit, ne voyage plus. Va assister et je te dirai ce que tu diras sur place. Je vois que la main de l'homme de Dieu, ça va de l'autre côté. Amen, amen. Et je vois sur son épaule, Dieu me dit, il a maintenant la charge de l'église. Malheur à la personne qui va le combattre. Je me mets en tant que prophète. Et je parle, l'ainsi dit l'Éternel. Joël, quand on t'appelle docteur, mais moi Dieu me dit, tu es apôtre. Parce que je veux commencer à implanter les églises par-ci, par-là. Là où papa n'a pas pu faire, toi tu auras plus loin que ça. Mais ne maudissez pas personne. Parce que je vois en toi 5 ministères comme apôtre. Mais Dieu me dit, t'as donné juste 3 encore. Le 2 là, parce qu'en toi, il y a un peu l'esprit de la colère, la nervosité. Il va encore te traiter encore. Là maintenant, Dieu me dit, tu as le pouvoir de prendre la dîme. Toute personne qui te bénira, Dieu me dit, il le bénira aussi. Ne t'associez pas. Dieu me dit, les occultistes viendront soi-disant les hommes de Dieu. Avant de faire quelque chose, écoutez Dieu. Parce que les gens viendront enlever ce que Dieu a mis en toi pour que la mission de Dieu ne s'accomplisse pas.
oh je te vois, toi tu tiendras la canne. Dieu me dit, tu feras l'âge de 89 ans. Et ça reste l'ainsi dit l'Éternel. Les gens viendront pour te mettre du poison, il ne va pas réussir. Dieu me dit, restez dans ses pieds et tu verras comment il va t'élever dans ses pays, dans ses mondes. Je ne te connaissais pas. On s'est vu à la montagne. Et à la montagne, quand je parle, l'homme de Dieu me connaît. Quand je parle, la montagne, tout est silencieux. Je ne m'orgueille pas. Je sais ce que Dieu est en moi. L'homme que vous voyez là, si vous l'aimez aussi, vous aimerez aussi. Mais si vous les combattez, Dieu aussi combattait à sa place. Parce que je vois, il tient l'épée sur sa main droite. Mais je vois la Bible de l'autre côté. Ça veut dire, c'est un berger. Supporter les faibles. On m'a dit, j'entends. Emmanuel Dully, il doit supporter les faibles. Mais malheur à la personne qui va te combattre. Si tu te combats, va les engloutir. Que Dieu te bénisse. Ok. Nakati a consécration. Tozana est appelé balai. Étape à l'ibosia pour confirmer ministère. Docteur Joël Mouela. Et après, pour consacrer la maman servante Madi Mouela. Nous demandons à l'église de se tenir debout et les ministres de Dieu aussi, le ministre. Vous êtes ensemble avec nous, les hommes de Dieu. Vous êtes ensemble avec nous. Alors nous laissons le Père. Pour dire que le Père a confirmé ce qu'il a vu. Et toi, ça qui dit la lélo, Wabi ou Juenza, un cachemoué. Vous m'avez dit, il y a un peu de boudimi, Mounana, nous l'avons battu à boudimi, à nos hénchia. Badimoua, vous combattez, vous nous battez à boudimi, vous nous noa. Lélo, j'ai présenté Joël Mouela Badiba. J'ai confirmé. Ministère, Mite Kamouye. Vous nous présentez l'église. Vous plaisantez corps du Christ. Ou pas qu'il a dit tout quoi. Vous ne pouvez pas que vous la chance. Bivo bibi mouye et du kulouka. Bidi mon kulou mou difficulté pour que vous m'empêchez mon mou di mou di mou mbiki. Mou j'ai tenu nima ou mou kol. Elle est bien ce coup. Bima ni chul malo ke mi mou chidigish. Merci Père. Wakam bilo Moïse. Sungu la bakuba di bakumbana ubare na bumute to kusamba ken bwangi muri munda mwe abwele munda mwa bamune makukwambulish ngingamba se byadi pabi di mwezi di bwele muyeyi byadi di bikuluka muyeyi tisa kaja kalenga ni bukumba nyina jim kulenga chanza bakukushitira jiko firme mangi makwela kuri wa chandelele. Il m'a oué pas moute, tu m'as dit chil, ah ouais, ou bien ça bien, kumba yamboula bab, balanda bamboula bioum, il m'a yambou koi hatu gomonda mouabab, ah ouais, le bien ça cool, il m'a dit chil malogue mi kushim. Amen.
à présent, ce que m'a dit comme un gars, chéri, ce que m'a dit comme un gars, mais le morceau, il y a comme un gars, ce que m'a dit comme un gars, t'as dit ça, docteur. Puisque tu l'as dit, comme un gars, je suis pas là, et l'équipe a comme un gars, moi j'ai dit un gars. Parce que la combat est jouée, et ça la anxiété. La combat est chérie, et l'autre est santé. Mais il y a docteur, malade et zombie. Et t'es laissé, maman, comme un casse. Et nous passons au film. Nous invitons, nous pourrons de l'aide de nos pères, maman, Mathieu, venez. Et là, nous appelons la témoin, maman, avant prophétesse, avancée. Pendant que nous parlons, vous chantez. Dans le royaume, c'est bon ou bien malheureux. Parce que nous devons être ensemble. Merci bien, merci bien. Je souhaite qu'on arrête d'abord la musique pour votre moment. Nous allons revenir. Et la musique sera arrêtée. Alors. Pour le moment, que tout ça, non, maman, peut-être que vous avez essayé de dire, s'il vous plaît, maman, de. Ah, vous avez essayé de témoin, comme un témoin. Pardon, vous pouvez utiliser des témoins. Témoignez là, vous avez terminé. Amen, amen. Amen. Oui, la Nidina a mis un témoignage pour lui, pour la prophétesse Bati, que j'ai toujours aimé. Pendant que je suis en train de place ma place, je suis en train de faire et toi, je suis en train de Dieu. Dieu de la Bible me dit à cause de la prophétesse de l'église au Gadi, mais mon entier a mon grand amour. On n'a rien au monde, parmi les mots, il y a tout le monde qui est taillé, puis à cause de la salle à la. Et l'autre pessimiste, c'est que vous allez dire, n'a pas dit mon nom qu'on aille, mon que là. Mais la monnaie la fongo, la zone pour la vie, vous pouvez payer ces camarades. Voilà les affaires. Merci beaucoup, Béta Mokoko. Merci beaucoup, monsieur la présidente. Merci pour la carrière. Alors, maman m'a dit que vous allez concentrer au service de Dieu. Et ça l'a souligné. Donc, j'ai une différence entre confirmation et le secondaire pour nous. Que soit consacré au service de Dieu. Voilà. Les plus on est debout. Là, on va te donner la parole au Père. N'y a pas de temps, on va y aller avec les gens pour avoir des. Je vais vous demander d'emploi pour que vous ayez un peu. Wata kwata kukon. Kunga ki ni kwezi ni kuhishi. Ne uchi mune mwakishi. Lelu ki ni konfirme. Kaku ikarasi kalo. Kaku yofon yes. Lelu ki upe jeba. Bani mwakuku wa ikisha. Na ike kichiriko. Yehoni ni kakwe kene kuhishi. Il y a des sacs à chair. Des sacs à chair, il y a des sacs à chair.
Thank you.
fait représenter, nous n'invitons pas un seul qui est présent, qui nous a fait honneur. Il s'agit de l'apôtre Picaro Samba. Pendant qu'il avance, il était parmi les participants, il a travaillé pour la reconnaissance de notre Dieu. Et là, sans plus tarder, il nous a été demandé d'honorer quelques hommes de Dieu qui ont fait de leur présence, à Katinabiso. Ainsi, vous allez nous excuser pendant 3 minutes et puis nous partons. Amen, amen. Nous remercions le pasteur. Le pasteur Rabin Ilunga, à Zanassa, nous allons présider pour honorer. Merci beaucoup que le Seigneur vous bénisse entre deux pour votre présence. Nous remercions le pasteur David de Bakoko. David de Bakoko, c'est ça. Ah, c'est un peu pour moi. Merci l'homme de Dieu. Damas, merci beaucoup. Nous invitons le pasteur, tu le retrouves plus ici, pasteur Jean. Nous invitons le pasteur Timothée, c'est le nom de vous, il est ici. Pasteur Timothée Moulouba, il est là. Nous remercions le prophète Jérémie Boaz. Kambaja, le prophète Jérémie Boaz, il nous a quitté, nous invitons le pasteur Nathan Chouadi, parce qu'il est dans la salle. Nous remercions le prophète Élisée Tataï, il est dans la salle Ouazam, il est bien parti. Nous invitons le pasteur Israël Chizou, déjà parti. Le pasteur Martin Moudjahi, apôtre Chandelier, qui a travaillé avec nous, Chitani, Walesa. Nous invitons. Il est plus ici, avec Benjamin Kapidi de Lubumbashi. S'il est dans la salle, peut-être tenir debout. Le pasteur Freddy Kamwamba, s'il est dans la salle, il peut se tenir debout, l'église de Saint-Laurent. Le pasteur Boris Kamoko, s'il est dans la salle, le grand pasteur Boris, président vous bénisse pour votre présence. Nous avons le pasteur Henri Bilenda du ciel. Le pasteur Marie-Pierre Lévisson, merci de vous avoir pour votre présence. Et pour terminer, nous invitons le patriarche Kalombo H. Pierre, Kalombo qui n'est plus dans la salle. Kazana Kaoya Kaï Kongo Nabi, Kazo Bézata. Révérend du ciel, l'homme fort, je vais te montrer. Amen. Amen. Deux mots communiqués pour qui est. Vous avez communiqué pour qui? Vous avez parlé sur la ligne de l'eau. Vous avez parlé de ce matin qui est pour les divinos, pour les amis, pour les merci. Nous sommes prêts à la lobby à la lobby. Marguerite Zoba.